Super. Nova. Le toast. Bonsoir les amours, bonsoir Marie. Aujourd'hui, je lève mon verre à Meghan Markle qui a dit la vérité, toute la vérité à Oprah Winfrey. And my God, she's like so brave. Je m'excuse de parler anglais parce que j'ai vécu en Angleterre il y a deux ans pendant deux jours. So just ask me for a translation. Pas besoin de s'intéresser à la famille royale pour trouver que cette meuf est beaucoup trop badass. Si vous aviez rien de mieux à faire lundi que de regarder ça, c'est-à-dire rien faire, c'est-à-dire comme moi, eh bien, petit récap pour vous tous. Alors, il y avait du drame, du racisme, de l'argent, du pouvoir, des traditions, de la cuisine dégueulasse. Ça se passe quand même en Angleterre. Et ça ressemblait, cette interview, à un repas de famille, tellement c'était tendu, sans la famille, du coup, vu qu'elle a littéralement genre fui et mis un océan entre elle et eux pour justement ne plus se taper de repas de famille le dimanche avec le duc de York qui serait là genre « Mais moi, pas du tout, je viole pas du tout, je suis pas du tout pédophile, enfin elle avait 17, 14, 13... » Oh, ça va, hein. C'est quand même le mec qui dit qu'il connaît pas Jeffrey Epstein, mais ils ont des matching tattoos. Oui. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai aimé penser que c'était vrai, en tout cas. J'ai dit oui. Après, t'imagines la grand-mère au repas qui est là et qui dit à Meghan « Franchement, Meghan, habillez-vous plus traditionnellement. Grand-mère, tu t'habilles réellement comme un nuancier de peinture Leroy Merlin. S'il y a quelqu'un qui doit pas avoir des conseils de mode à dire, c'est bien elle, une tenue monochrome par jour. » Tu sais, j'ai l'impression qu'elle se camoufle, mais jamais au bon endroit. Ouais. Total look jaune, total look rose. Je me dis, cette meuf, tu la mets sur un champ de bataille, elle te fait perdre une guerre. Alors, qu'est-ce qu'elle leur reproche? Bah écoutez, des choses graves. Apparemment, il y aurait une discussion derrière son dos sur l'intensité de la couleur de son futur enfant. Je sais pas quoi dire. Juste non, par exemple. Genre, c'est pas une baguette de pain, un enfant te demande pas une baguette pas trop cuite. C'est hyper bizarre. Ils avaient peur de quoi sur les photos de famille, qu'il y ait quelqu'un de plus beau que eux? Je veux dire, littéralement, le prince Philippe, le mari de la reine, il est tellement à l'article de la mort qu'il est violet. Qu'est-ce que... Quoi? Pourquoi il y a une discussion? Ah! On a retiré à cet enfant son titre princier, sans raison. Donc du coup, il y a un peu un discours qui est un peu chelou. Le premier enfant métis de la couronne britannique, on lui enlève son titre princier. Mmh. Du coup, je me dis, il y a quoi derrière la dorure de Buckingham Palace, Marie? Qu'est-ce qu'il y a? De la merde, du racisme et du colonialisme, vraisemblablement. La reine, après l'interview, a dit qu'elle était surprise et triste d'apprendre qu'elle avait été malheureuse. Non, t'étais pas surprise. Je veux dire, vraiment, elle t'en a parlé. C'est comme si moi, je me lève un matin, je fais, écoute, Marie, j'ai un truc à dire. Ouais, quoi? Je crois que je suis alcoolique. Oui, on savait. Everyone knows. Bon, après, en période de pandémie, il y a quand même d'autres choses dont elle s'est plainte qui n'ont pas l'air extrêmement graves. Par exemple, il y a une histoire comme quoi Kate Middleton l'aurait faite pleurer à son mariage parce qu'elle a critiqué les robes de ses demoiselles d'honneur. Problème de riche. Non, voilà, problème de riche. Il y a des gens qui peuvent même pas s'acheter de robes. Après, elle dit, voilà, comme on est dans un spectacle vivant, on a voulu se marier tous les deux quelques jours avant, c'était très dur. Non, c'était pas très dur d'avoir deux cérémonies. Je veux dire, t'allais voir ton mari et tu lui as dit, chérie, on se fait deux mariages pour le prix de deux. Bah d'accord, problème de riche de nouveau. Mais en vrai, elle en a vraiment chié. La presse anglaise a été dégueulasse avec elle. Il y a un mec qui s'appelait Pierce Morgan. Je sais pas si vous le connaissez, mais allez le googler. C'est une horreur, ce type. Il l'a trashé tout le temps parce qu'il a eu un rendez-vous amoureux avec elle en 2015. Mmh. Elle lui a dit non, of course. Il l'a mise dans un taxi. Elle allait rencontrer Harry justement ce soir-là. Et je me dis, mais mec, faut que tu passes à autre chose. Nous, on s'en remet, Marie, quand on est recalé. Bon, pas tous. Ouais, oui, non, moi, à 9 ans, il y a un garçon, je dirais pas son nom, Ludovic Lacombe. Il a jeté ma lettre d'amour que je lui avais donnée au préau. Je m'en remets super bien. Voilà. Meghan dit avoir été victime d'une campagne de dénigration, comme de dénigrement. Oui. De dénigrement. Denigrement. J'ai mon bac, non, je déconne, j'ai pas le bac. Ah, on sait pas. Comme sa belle-mère, décédée la princesse Diana. Comme quoi, quand tu es plus lumineuse que les diamants de la couronne britannique, on cherche à éteindre ta lumière. Alors, les royalties, vous avez la politesse de l'étiquette, mais la politesse du cœur. Vous avez 3 heures. Merci mao.skyblog.org. 17h, 19h, Supernova. Avec Marie Bonisso et des gens bien.